Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. On va venir pratiquer ici des mouvements, des postures qui vont venir ouvrir toute notre cage thoracique, qui vont venir vraiment ouvrir notre buste, donc des extensions arrière. Ces postures vont venir du coup travailler cette ouverture de notre thymus, de notre sternum. En travaillant cette ouverture, elles vont libérer en fait les peurs, elles vont réduire l'effet d'anxiété qui peut être présent dans cette partie de notre corps et elles vont venir également travailler notre système immunitaire. On fera aussi d'autres mouvements, d'autres postures qui viendront elles plutôt travailler au niveau digestif en effectuant des massages en fait de nos organes au niveau digestif. Elles vont venir aussi du coup activer ou accentuer en fait la détoxification de notre corps et améliorer donc l'élimination de nos déchets. Et enfin, elles vont activer la circulation lymphatique. Donc pour cette séance, vous aurez besoin d'une ou deux briques de yoga et on viendra aussi pratiquer une posture contre le mur. Voilà, donc on va commencer la séance assis sur son tapis. Donc prenez le temps de bien croiser vos jambes, de tirer la chair de vos fesses pour bien venir planter vos deux ischions sur le tapis. Et on va commencer par disposer donc sa main gauche à côté de son buste. Et à notre prochaine inspiration, on vient étirer le bras droit vers le haut sur le côté. On étire bien son flanc droit et à l'expiration, on revient au centre. Chaque inspiration, on étire le bras vers le haut sur le côté. Venez bien étirer votre flanc, ouvrez bien votre épaule vers l'arrière et chaque expiration, on revient au centre. On continue à son rythme. Inspire, on ouvre, on étire. Expire, on redescend. Essayez vraiment de prendre des respirations les plus profondes possibles, des respirations ventrales. Sentez bien votre ventre qui se gonfle à chaque inspiration et sentez bien votre ventre qui se vide à chaque expiration. Alors quand on étire son bras sur le côté et qu'on se penche légèrement, l'épaule opposée est complètement souple, le coude plié, le bras complètement relâché. Allez, encore une fois de chaque côté. On revient au centre, on inspire, on va venir ouvrir ses bras sur les côtés, paume de main dirigée vers l'avant et à l'expiration, on vient refermer ses bras, ses mains vers son sternum, on vient arrondir le haut de son dos, on peut regarder en direction de ses deux mains, chaque inspiration, j'ouvre bien mes bras vers l'arrière sur les côtés, je ramène mes deux omoplates l'une vers l'autre. Et chaque expiration, je viens arrondir le bas de mon dos, je tire légèrement mon nombril vers ma colonne, j'arrondis mes épaules, je ramène mes bouts de doigts au niveau de mon sternum. Inspire, je m'ouvre, je me grandis, je peux légèrement lever mon regard. Expire, je ferme. Gardez bien la colonne droite, gardez bien le bassin aligné avec le reste de votre colonne. Et chaque inspiration, on s'ouvre, on ramène ses omoplates l'une vers l'autre, on étire ses bras vers l'arrière et sur le côté. Et chaque expiration, on revient, on arrondit le haut du dos, les épaules, on relâche le cou. Essayez vraiment de faire coïncider votre mouvement avec votre respiration. La fin de l'inspiration doit correspondre au moment où vos bras sont complètement ouverts sur les côtés. Et la
la fin de l'expiration au moment où vos deux mains se rejoignent au niveau de votre sternum. Allez, une dernière fois. Et on inspire, on s'ouvre de nouveau, expire, on relâche la posture. Puis on va venir se mettre à quatre pattes sur son tapis. Venez ici ouvrir les genoux à la largeur de vos hanches, venez disposer vos poignets sous vos épaules, prenez bien le temps de venir ici bien ouvrir l'ensemble de vos doigts sur le tapis, de bien plaquer vos paumes de main, la base de chacun de vos doigts ainsi que le milieu de votre poignet sur le tapis. Et on va venir pratiquer ici la posture du Shavasana. Donc à la prochaine inspiration, on vient tirer notre coccyx vers le haut, vers le ciel, puis on ouvre notre poitrine, ce qui naturellement vient dégager nos épaules vers l'arrière et on regarde devant soi. Et à l'expiration, on tire son pubis vers le sol, on arrondit le dos, on pousse bien sur ses paumes de main pour éloigner ses omoplates l'une de l'autre et on vient regarder en direction de son nombril. Inspire, on monte le coccyx, on ouvre la poitrine, on regarde devant soi. Expire, on ramène le pubis. On pousse sur les paumes de main, on éloigne les omoplates, on arrondit le dos et on regarde en direction de son nombril. Pareil ici, essayez d'initier le mouvement du bassin et de faire coïncider votre respiration avec votre mouvement corporel. La fin de votre inspiration doit correspondre au moment où vous venez lever votre regard vers l'avant ou vers le haut. Et la fin de l'expiration doit correspondre au moment où votre regard se dirige vers votre nombril. Une dernière respiration. Puis on va venir ici masser un petit peu justement ces fameux organes digestifs. Donc on inspire, on va venir monter, on va commencer par la jambe droite, le genou droit, on ramène le pied vers notre fesse et à l'expiration de nouveau, on vient ici arrondir notre dos et ramener notre genou vers notre nez. Inspire, je monte le genou vers le haut, je ramène le talon à la fesse. Attention de ne pas avoir votre jambe qui vient s'ouvrir sur le côté. Essayez de bien garder vos deux hanches parallèles l'une avec l'autre. Et à l'expiration, j'arrondis le dos, je pousse bien sur mes paumes de main, j'éloigne mes omoplates et je ramène mon genou vers mon nez. Inspire, j'ouvre ma poitrine, je tire mon coccyx vers le haut, je lève mon genou droit, je monte mon talon vers ma fesse, expire, j'arrondis le dos, je ramène mon genou à mon nez, à essayer de répartir votre poids sur les trois points d'appui qui restent en contact avec le tapis, pour ne pas mettre trop de pression sur vos poignets. Une dernière respiration de ce côté. Inspire de nouveau, je monte la jambe et le genou vers l'arrière. Expire, je repose mon genou droit sur le tapis. Et on vient faire la même chose avec l'autre jambe. J'inspire, je plie mon genou, je le monte vers le haut, je laisse mon pied se rapprocher de mon fessier. Et à l'expiration, je viens ramener mon genou à mon nez, j'arrondis le dos, je pousse bien sur mes paumes de main
J'éloigne mes omoplates de ma colonne. Inspire, je tire mon coccyx vers le haut, je tire mon genou vers le haut, je ramène mon pied, j'ouvre ma poitrine, je regarde devant moi. Expire, je ramène mon genou vers mon nez. Pareil ici, faites bien attention à ce que votre hanche ne s'ouvre pas trop sur le côté, ainsi que votre genou. Essayez de bien garder vos deux hanches alignées l'une avec l'autre et parallèles avec le sol. Allez, inspire une dernière fois. Expire, on repose le genou gauche sur le tapis. On va venir s'asseoir sur son tapis. Jambes tendues devant soi. Prenez bien le temps ici de tirer vos os, de poser vos os des fessiers, donc de tirer la chair de vos fesses vers le haut. Prochaine inspiration, viens plier ici le genou droit. Et à l'expiration, viens ouvrir le genou gauche sur le côté. Et on fait glisser notre pied gauche à l'extérieur de notre hanche droite. Le plus possible pour que le genou soit dans l'axe de la hanche. Et vous pouvez donc soit rester comme ceci dans cette posture, on va venir ici travailler en torsion, hein, ce qui va venir essorer hein, nos organes digestifs et du coup favoriser l'élimination de ces fameux déchets, ou vous pouvez venir disposer votre pied droit à l'extérieur de votre genou gauche. Voilà. Donc si vous sentez que votre fesse droite se soulève, c'est normal, vous pouvez soit réajuster en mettant un petit plaid, une brique, hein. Soit restez dans la posture, mais faites bien attention à ce que votre corps ne se balance pas trop, hein, justement, sur le côté gauche. Réajustez bien votre buste au centre. On vient ici inspirer dans cette posture où on essaye vraiment d'allonger un maximum sa colonne, d'ouvrir un maximum sa poitrine. On vient bien étirer le sommet de son crâne vers le ciel. Et à l'expiration suivante, on va venir enlacer avec son bras gauche son genou droit pour venir tourner son buste sur le côté droit. On vient disposer les bouts des doigts de sa main droite à l'arrière de son buste. Chaque inspiration vient bien pousser hein, dans la plante de pied du pied avant, dans le gros orteil du pied droit, hein, pour s'élever. On pousse bien dans ses deux ischions. On allonge bien sa colonne, on ouvre bien sa poitrine. Toujours cette idée de s'étirer le plus possible vers le haut pour créer de l'espace hein, dans la zone abdominale. Et à chaque expiration, bien tourner un petit peu plus sur le côté droit. On peut garder son regard sur le côté ou venir tourner son regard en direction de son épaule droite. C'est vraiment en fonction du confort et de la souplesse hein, de chacun. Chaque inspiration, on s'étire, on s'allonge. Et chaque expiration, on vient tourner un petit peu plus sur le côté. Donc on peut venir avec son bras gauche, tirer sur son genou droit pour tourner davantage sur le côté. Et le genou droit vient résister contre ce bras gauche. On respire profondément. Chaque inspiration, on s'allonge, on s'étire. Et chaque expiration, on tourne un petit peu plus sur le côté. Allez, on respire une dernière fois. Inspire de nouveau, on allonge. Expire, on relâche, on revient au centre. On ramène son pied droit à l'intérieur de son genou gauche.
On ramène son pied gauche à côté de son pied droit. On peut venir ici de nouveau allonger ses deux jambes vers l'avant du tapis. Repositionner ses ischions dans le tapis. Prochaine inspiration, on va faire la même chose de l'autre côté. On vient ici plier la jambe gauche. Et à l'expiration, on vient ouvrir son genou droit sur le côté et disposer son pied droit à l'extérieur de sa hanche gauche. Donc essayez ici de mettre votre genou droit dans l'alignement de votre hanche droite. On peut rester comme ceci ou venir disposer son pied gauche à l'extérieur de son genou droit. Vous voyez ici naturellement ma fesse gauche vient se soulever. C'est ok, soit on peut placer une petite couverture ou une petite brique, soit rester dans cette posture, mais toujours avec cette vigilance de ne pas avoir le buste qui s'affaisse du coup sur le côté droit. On vient ici bien prendre le temps à l'inspiration suivante d'allonger sa colonne, d'étirer le sommet de son crâne vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir tourner cette fois-ci sur le côté gauche. Donc je viens enlacer avec mon bras droit mon genou gauche et je viens tourner sur le côté. Je dispose les bouts de doigts de ma main gauche à l'arrière de mon buste. Chaque inspiration, je pousse bien sur ma plante de pied gauche. Je pousse bien sur le gros orteil de mon pied gauche. Pour m'étirer, je pousse bien sur mes ischions, je m'allonge. Je me grandis et chaque expiration, je viens tourner un petit peu plus sur le côté gauche. Je viens tirer avec mon bras droit contre mon genou gauche pour m'ouvrir davantage et rentrer davantage dans la torsion. Chaque inspiration, je m'élève, je me grandis. Et chaque expiration, je tourne. Je peux garder mon regard sur le côté ou venir tourner mon regard vers mon épaule gauche en fonction de mon confort personnel. Inspire, je m'étire, je m'allonge, je crée de l'espace dans ma zone abdominale, dans ma zone lombaire pour étirer mon buste le plus possible vers le haut. Et chaque expiration, je viens tourner un petit peu plus sur le côté. Allez, j'inspire une dernière fois, je me grandis. Expire, je reviens au centre, je ramène mon pied gauche à l'intérieur de mon genou droit, je ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche et je vais venir ici me mettre sur les genoux pour la prochaine posture où nous aurons besoin d'une ou deux briques en fonction de votre souplesse. Alors, cette prochaine posture que l'on va travailler ensemble va nous permettre vraiment d'ouvrir cette zone du thorax, du sternum, pour venir stimuler la zone du thymus. Donc, on va utiliser une brique. On vient donc s'asseoir sur sa brique. Vous venez la disposer en long pour avoir la possibilité d'avoir vos genoux proches l'un de l'autre. Donc on vient bien disposer ses ischions. On a les pieds de part et d'autre de la brique. On vient ici faire une légère rétroversion du bassin. On aligne bien sa colonne avec son coccyx. On inspire, on s'étire, on se grandit. Et on expire dans la posture. Prochaine inspiration, on va venir disposer ses bouts de doigts dirigés vers l'avant, à l'arrière de ses pieds. Et à chaque inspiration, on vient pousser sur ses bouts de doigts, on vient tirer son sternum, le projeter vers le haut, vers l'avant, ramener ses omoplates l'une vers l'autre. Et on peut monter légèrement son regard vers le haut. On ouvre bien sa poitrine. Et chaque expiration, on relâche.
On revient au centre et on ramène son bassin en rétroversion. J'inspire, je pousse sur mes bouts de doigts, j'ouvre bien ma poitrine, je projette mon sternum vers le haut, je ramène mes omoplates l'une vers l'autre, je regarde légèrement vers le haut, je m'ouvre le plus possible et chaque expiration, je reviens, rétroversion de mon bassin, je dépose mes ischions un peu plus sur ma brique. On peut venir ici faire une légère rétention de souffle, poumon plein. Hein, lors de l'ouverture de notre poitrine, pour vraiment venir réénergiser hein, cette partie de notre thorax pour stimuler vraiment cette zone. Chaque inspiration, je continue de pousser sur mes bouts de doigts, de m'ouvrir, de ramener mes omoplates l'une vers l'autre. Je retiens mon souffle un temps ou deux temps en fonction de mon confort personnel. Et j'expire, je reviens au centre, légère rétroversion de mon bassin. Inspire, je m'ouvre, je retiens. Expire, je relâche, je ramène mon bassin et mes os des fessiers sur ma brique. Inspire, je m'ouvre. Expire. Je reviens au centre. Allez, une dernière fois. Expire, je relâche. Je relâche complètement la posture et je peux venir de nouveau mettre ma brique de côté. Je viens ici m'allonger sur le dos, sur mon tapis, jambes pliées. Hein, prenez bien le temps de plaquer l'ensemble de votre dos. Légère rétroversion du bassin pour bien plaquer les lombaires, le sacrum. On positionne bien également l'arrière de son crâne pour avoir sa nuque bien allongée. Prochaine inspiration, je ramène mes deux genoux vers ma poitrine. Expire, j'enlace mes genoux avec mes bras et je ramène mes genoux vers mon buste. Chaque inspiration, je gonfle bien le bas de mon ventre, sens naturellement mes cuisses qui s'éloignent de mon buste. Chaque expiration, je viens ramener mes genoux vers mon buste. Je viens bien plaquer ici mes lombaires, l'ensemble de mon dos, l'arrière de mes épaules sur le tapis. On vient ici masser hein, toute la zone digestive, mais aussi les lombaires dans cette posture. Inspire, je gonfle. Expire, je ramène le haut du dos, les épaules sont bien relâchées. Essayez vraiment ici de prendre des respirations lentes et profondes. Dernière respiration dans cette posture. Inspire, j'ouvre mes bras de chaque côté de mon buste. Expire, je ramène mes pieds sur le tapis et on va venir ici pratiquer la posture suivante. Donc vous pouvez rapprocher un hein, une ou deux briques de votre tapis pour la prochaine posture. Pour la prochaine posture, on va venir encore travailler cette ouverture de notre poitrine. Hein, donc on va commencer par la posture du demi-pont et ensuite hein, des jambes levées
Viparita Karani. Donc à la prochaine inspiration, viens pousser sur ces plantes de pied. Hein, les bras sont le long du corps, paumes de main en contact avec le tapis. On pousse bien sur ses paumes de main, sur ses bras. Et on vient monter son bassin vers le haut. On essaye de garder ses deux genoux parallèles l'un avec l'autre, à ne pas que ses genoux partent sur les côtés ou s'ouvrent sur les côtés. Et on viendra disposer notre brique sous notre sacrum dans le sens de la longueur. Voilà, donc positionnez bien votre brique au niveau de votre sacrum. Et on peut rester donc dans un premier temps dans cette posture hein, qui vient cambrer légèrement le bas du dos, ouvrir un petit peu plus notre poitrine. On fait vraiment en fonction de notre souplesse. Si on sent que l'ouverture n'est pas assez prononcée, hein, on ramène bien nos épaules en contact avec le tapis pour vraiment ouvrir aussi la partie haute de notre corps et rapprocher hein, notre haut de poitrine, nos clavicules de notre menton. On peut venir rajouter une brique supplémentaire, toujours dans le sens de la longueur, toujours au niveau du sacrum. Venez bien poser votre sacrum, sentez hein, ici l'ouverture de votre poitrine qui s'accentue. On vient bien ici ramener le menton vers sa poitrine, notre gorge vient naturellement se fermer. Les bras le long du corps, on essaie vraiment de poser nos épaules le plus possible dans le tapis. Et à la prochaine inspiration, on va venir monter une jambe vers le haut, vers le ciel, cheville fléchie, plante de pied vers le haut. Chaque expiration, on redescend la jambe. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche vers le haut, vers le ciel, cheville fléchie, jambe tendue. Expire, on ramène le pied sur le tapis. Inspire de nouveau, on monte, on étire. Expire, on ramène. Fais encore une fois du côté gauche. Inspire, on allonge. Expire, on redescend. Prochaine inspiration, on va venir monter les deux jambes tendu vers le haut, vers le ciel, et on va rester plusieurs instants dans cette posture. Hein, si vous sentez que c'est trop engageant, surtout, n'hésitez pas à continuer à alterner les jambes. Ou l'autre option est de venir hein, disposer ses jambes contre un mur. On pourra pratiquer également cette posture des jambes levées contre un mur sans brique, hein, si vous voulez limiter l'accentuation au niveau de la cambrure, du dos. On respire profondément. On inspire une dernière fois. On étire bien ses jambes vers le haut. Expire. On vient déposer un pied puis l'autre. Enfin, on vient dégager une brique et la mettre de côté sur le tapis. Tout doucement, reposez votre dos sur la brique restante. Puis on vient retirer la dernière brique et on vient déposer vertèbre par vertèbre son dos sur le tapis en faisant une légère rétroversion du bassin. On peut rester quelques instants sur son tapis allongé dans cette posture, récupérer au niveau du bas du dos, de l'abdomen. Et on va venir pratiquer la posture suivante, la posture du papillon couché, hein, qui va venir masser de nouveau nos organes digestifs et ouvrir notre poitrine. Alors, pour cette prochaine posture, essayez d'avoir de l'espace au-dessus de votre tête, puisque l'on va venir soulever le bras, tendre les bras vers l'arrière. Hein, donc on vient ici rapprocher nos deux genoux l'un de l'autre. Chaque inspiration, on vient ouvrir nos genoux vers l'extérieur et étirer nos bras
vers l'arrière. Sentez hein, l'ouverture de vos hanches, de vos genoux. C'est normal que votre dos se cambre légèrement. Et chaque expiration, on ramène les bras vers le bas, on ramène les deux genoux l'un contre l'autre. Et on vient bien plaquer son dos, ses lombaires de nouveau sur le tapis. Inspire, je m'ouvre. J'étire mes bras vers l'arrière. Expire, je referme. Je ramène mes bras. Je fais une légère rétroversion du bassin pour bien venir plaquer mes lombaires sur mon tapis. On continue à son rythme, on inspire, on s'ouvre. Expire, on referme. Inspirez profondément, remplissez bien l'ensemble de vos poumons. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Et on vient ramener ses genoux vers sa poitrine, rouler sur le côté droit pour se relever tout doucement, venir s'asseoir sur son tapis. On peut venir pour parfaire cette séance, pratiquer un pranayama, une respiration hein, énergisante ou stimulante du système immunitaire, avec pourquoi pas l'ajout d'un mudra hein, contre la congestion, contre le rhume ou contre la grippe, hein, pour vraiment eh bien, avoir un système immunitaire renforcé et stimulé, des défenses naturelles prêtes à affronter. Hein, l'hiver et autres virus environnants. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a fait du bien et qu'elle vous aidera à traverser hein, l'hiver en meilleure santé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Namasté et je vous retrouve dans une prochaine séance de yoga. À très bientôt!